Là, j'ai récupéré la petite souris. Oh, pardon, monsieur. Oh, pas obéi. Ah, bah non. Attends, madame. Ouais, fais du kung-fu, quoi. Arrête. J'ai pas fait exprès. Oui. Tant pis, j'ai pas le choix. Attends. Désolé, madame. Je te défonce, mais j'ai pas le choix. Ouais, bah, je suis désolé aussi, mais je voulais pas. Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte de Internet Café Simulator Supermarket 2024. Et c'est un jeu dans lequel vous allez devoir ouvrir et gérer dans un premier temps votre cybercafé et le transformer en supermarché ou tout simplement garder les deux en même temps, c'est-à-dire cybercafé et supermarché. Voilà. Pour tous ceux qui sont intéressés, bien sûr, je vous ai mis le lien en description. Le jeu est disponible sur Steam, bien sûr. Et nous, on est parti pour la découverte. Donc les amis, pour le nom de notre magasin, je vais décider de l'appeler Cybermarket. Comme ça, ça fera bien les deux choses en même temps. Donc le côté cybercafé et le côté supermarché. Et nous, on est parti. Ok, bienvenue dans notre maison qui fait presque office de cabanon, j'ai envie de dire. Enfin, plutôt un cabanon qui fait office de maison. Alors les amis, comme vous pouvez le voir complètement à gauche, nous avons l'heure, l'argent, les touches, bien sûr. Et juste en dessous, le niveau de réputation. Ensuite, nous avons la santé, la faim, la soif et l'endurance. Et complètement à droite, nous avons la propreté de notre magasin. Donc le niveau du supermarché et du cybercafé. Et bien sûr, le didacticiel. Donc on est parti dans un premier temps, on va sortir de chez nous. Voilà, donc mission accomplie. On va se rendre à notre supermarché, enfin cybermarket d'abord. On s'est compris. Donc ici on a notre cybermarket. Là vous allez pouvoir revendre les produits que vous n'utilisez plus. Par exemple si vous achetez un PC et vous voulez vous en débarrasser pour le revendre, ça se passe ici. Et juste en face vous avez l'entrepôt du supermarché qui va vous permettre de stocker donc tout ce que vous allez acheter pour votre supermarché. Et ensuite, les mettre en rayon tout simplement. Un petit peu plus loin, juste au bout de la rue, nous avons le casino et à côté, le dépanneur qu'on va découvrir juste après, les amis. Donc, on est parti. On va ouvrir tout ça. Tac. Et là, nous sommes donc dans notre futur cybercafé supermarché en même temps. Donc, le magasin n'a pas été entretenu depuis longtemps et rempli de détritus. Appuyez sur la touche tab pour ouvrir le sélecteur d'outils. Donc, ici, on a le sélecteur d'outils. Eh bien, il semble que vous devriez vous rendre au dépanneur pour acheter des outils pratiques pour le nettoyage. Allez au dépanneur selon les instructions. Donc, juste ici, nous avons le dépanneur, du coup, qui va donc nous permettre d'acheter les différents types d'outils. Mais pas que. On va pouvoir également acheter de la nourriture chez cette personne. Donc, acheter un balai pour nettoyer les tâches, une poubelle pour nettoyer les déchets et 5 sacs poubelles. Donc, une poubelle, 50 balles, un balai, 100 balles et un sac poubelle, donc x 5. Je sais pas combien je dois prendre, ok, 3 fois. Et là, vous voyez, je peux m'acheter de la nourriture, donc croissant, frites, coca, gâteau mousseux, hot dog, etc. Donc, vous savez quoi, je vais acheter un petit hot dog au cas où, et je vais me prendre un petit café. Voilà, comme ça, je laisse ça dans mon inventaire. Donc, merveilleux, retournez dans votre magasin et nettoyez-le. Oula, donc c'est parti. Alors, ce que j'aime bien dans le jeu, c'est qu'il y a quand même pas mal de vie. Vous avez vu, il y a énormément de vie, tout simplement. Beaucoup de PNJ qui se baladent. Ça, c'est plutôt cool. Donc, ici, maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est nettoyer tout ça. Donc j'appuie sur Tab et je récupère ma poubelle. Et là, on va bien sûr tout ramasser dans un premier temps. Donc ça on connaît, c'est comme dans tous les simulateurs, un gros nettoyage avant de commencer à gagner de l'argent. Donc dans un premier temps, on va faire tout ce qui est ordinateur. Et ensuite, je vous l'ai dit, avec l'argent gagné, on va pouvoir créer notre supermarché dans cette même boutique. Et ça, c'est plutôt cool. Donc là, je viens d'avoir des sacs poubelles que je vais récupérer et jeter dans la très grosse poubelle. Voilà, impeccable. Et ici, pareil. Ok, donc une fois que ça c'est fait, le magasin a un nouveau look, allez maintenant sur votre ordinateur. Donc le petit ordinateur, tac. Donc ici vous allez voir, il y a plusieurs choses à voir ensemble forcément. Donc là, hop, on débloque. On a un navigateur internet, donc le marché d'abeilles, d'eBay sûrement il voulait dire à la base, pour acheter des produits. Vente en gros de produits alimentaires, ça c'est pour acheter donc les aliments pour notre futur supermarché. On a les employés en ligne, donc on va pouvoir prendre des gens pour nettoyer, des caissiers, des choses comme ça. Mais par contre, il faut un niveau, comme vous avez pu le voir. Ensuite, on a la vitesse d'Internet, donc c'est pour améliorer la vitesse Internet dans votre boutique. L'agrandissement du magasin, voilà, donc à différents coûts, forcément. Ensuite, on a les factures à payer et bien sûr la banque, hein, si on souhaite faire un prêt, tout simplement. Donc après ça, nous avons encore, alors comment on fait pour aller en arrière? Tac, tout fermé. Système de gestion des réseaux, c'est pour voir qui c'est qui se connecte, comme Internet Café Simulator, hein. Voilà, voilà. Ensuite, on a les commentaires des clients, la calculatrice, le terminal, des petits jeux pour faire passer le temps. On a le lecteur de musique, je vais pas le mettre pour être sûr qu'il n'y ait pas de copyright, l'album photo, voilà, des petites bricoles, on va dire.
Donc il faut que j'achète un moniteur, un clavier, souris, donc un ordinateur complet. Je vais sur eBay. Donc on a 1800. Dans un premier temps, je vais pouvoir prendre que les vieux, enfin des objets qui n'ont pas trop de réputation, comme on peut voir juste ici. Et ensuite, on va débloquer comment je vais appeler ça? D'autres matériaux, voilà, au niveau supérieur. Donc dans un premier temps, une table en bois, une chaise pliante ou chaise en plastique à deux étoiles. Bon, je vais prendre pour commencer en plastique, ça ira très bien. Ordinateur, c'est pareil. Pour l'instant, on va prendre le très vieux modèle. Le moniteur, c'est exactement pareil. Clavier, tac. Souris, tac. Et on devrait être tout bon. Donc, je valide ma commande qui va me coûter 408. Et voilà. Donc, on va se faire livrer très rapidement par un petit chariot élévateur. Et ensuite, on va mettre tout ça en place. Donc, on va voir ça. Après, je vous montre encore deux, trois petites choses dans l'ordinateur parce on peut acheter des décorations et tout. Il y a pas mal de choses à voir. Donc, la livraison, les amis. Regardez-moi ça. Tac. Allez. Alors faites attention quand vous prenez les cartons, si vous bousculez un passant, c'est la bagarre. C'est la bagarre clairement. Donc j'ai pas envie de m'embrouiller avec les gens. Donc là j'ai quoi? Ma chaise. Ah, la table, c'est parfait. Donc là pour l'instant je vais te poser ici. Je vais récupérer tout de suite la petite table. Et pour le moment on va la placer juste au fond. Donc bien sûr avec la molette de la souris vous pouvez déplacer les objets. Voilà. Je vais mettre ma petite chaise. Donc ça rappelle vraiment Internet Café Simulator hein, pour ceux qui l'ont connu. Donc bien sûr quand vous mettez les objets, ça valide hein, sur l'écran, là ça n'a pas validé. Si voilà, fallait un petit délai et on est tout bon. Donc ensuite, alors je vais tout déballer comme ça, je suis tranquille. Tac tac et tac. Donc vous me connaissez, c'est des jeux que j'adore, c'est pour ça que j'ai dû vous le présenter. J'ai joué une petite demi-heure de mon côté, j'ai trouvé ça vachement addictif. Alors je me suis dit il faut absolument que je vous le présente. À savoir que c'est un développeur français très sympa d'ailleurs. Donc il a aussi un Discord hein, si vous souhaitez aller discuter avec lui. Il est très très cool. Et puis voilà, donc clavier. Hop, et la petite souris. Donc au départ, c'est sûr, on commence avec rien, les amis. Petit ordinateur pourri, toutes ces choses. Mais après, on va s'étendre, gagner beaucoup d'argent. Et ça va être cool. Peut-être pas dans cette vidéo, je vais peut-être faire une petite série si vous êtes intéressés. Forcément, j'attends d'abord vos retours. Ok, l'ordinateur est complété. Donc là, n'oubliez pas d'ouvrir la boutique sur votre ordinateur. C'est ainsi que les clients viennent vous rendre visite. Donc on va aller sur l'ordinateur. Alors je voulais encore vous montrer deux, trois petites choses. Sur eBay, bien sûr, on a également... Clavier souris, les matériels de caisse, ça va être pour acheter une caisse enregistreuse pour faire le supermarché. Les rangs de, enfin les rayons plutôt pour poser vos produits. On a des décorations, bien sûr, on a les lampes, on a des plantes en pot et des cloisons, donc comme dans les cybercafés pour fermer et mettre, pardon, vos PC. C'est plutôt cool. Donc là, je vais allumer l'ordinateur. Enfin non, je vais ouvrir ma boutique plutôt. Ok, donc on va attendre notre premier client, les amis. Et on a une propreté de 93%. Alors ce que je vais faire, c'est peut-être... Ah, il y a déjà un client, parfait. Je vais peut-être rajouter quelques lampes, parce que la nuit, ça va être embêtant. Bonjour monsieur. Donc on reçoit la petite notif, on ouvre ici. Donc par la suite, je vais pouvoir faire... Caisse enregistreuse automatique, 2400, d'accord. Et approbation automatique, ça coûte 850. Donc pour l'instant, je vais le faire moi-même. Et là, il est parti. Bien sûr, on peut aussi ajuster le prix, mais pour l'instant, vu le PC que j'ai, je peux pas faire de miracle à niveau... Enfin, je peux pas mettre trop cher, sinon les clients ne vont pas venir. Et là, vous avez vu qu'il est en train de jouer et ça va me payer 14,50 $. Alors, ce que je vais faire, c'est tout de suite racheter un autre ordinateur, je pense, histoire d'en avoir deux. Donc, le complet de nouveau table, chaise, ordinateur, moniteur, clavier et souris. Alors, je vous l'ai dit, peut-être que je prends éventuellement deux petites lampes pour rajouter. Voilà, ça me fait un total de 508. L'argent part très vite, par contre. Hein. L'argent part très, très vite. Et là, si vous voulez, je vais au moins mettre deux petits PC, histoire qu'on commence à gagner de l'argent. Donc 14 balles par personne. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il joue à quoi lui? Ok, c'est bon. Il fait rien d'étrange, tout va bien. Alors, là, on me dit d'aller à côté, c'est juste pour... Ah oui, pour faire l'achat, pour valider la quête. Voilà, comme ça, ils sont contents. Ah, il y a le client qui attend. Ah oui, le client qui attend pour me payer, quoi. Il est juste ici, donc je récupère l'argent. Voilà, collecté, j'ai eu de l'expérience. Bonjour madame. Ah, une cliente vient d'arriver. Et là, on est parti. Là, on commence à rentrer dans le vif du sujet, les amis. Les gens arrivent. Je vais installer rapidement avec vous notre deuxième PC. Encore une fois, déballage des cartons complets. On fera peut-être un côté supermarché rapidement pour vous montrer comment ça fonctionne juste après. Comme ça, si vous êtes intéressé par le jeu et vous voyez au moins, vous voyez ce qu'on peut faire tout simplement. Donc pour le moment, ça va être aussi difficile. Donc l'attaque souris. Ah oui, il y avait les petites lampes là. Oh, j'en ai pris deux du coup, je vais installer une ici. Parfait. Ensuite, la deuxième, juste devant là. Comme ça, je suis également éclairé. Voilà. Et là, on a l'air d'être pas trop mal. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis.
Alors, il y a déjà des déchets au sol. Un instant, madame, il y a quelqu'un qui est déjà venu pour payer. Oui, un instant, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Juste le clavier en place. Et on est parti. Je vais prendre tout de suite la caisse enregistreuse, comme ça on ne perd pas de temps. Je vous montre le côté supermarché, les amis. Est-ce qu'il est validé? Complètement ou pas? Ah oui, il nous manque la souris. J'ai pas pris de souris? Arrête. Ah, j'ai pas pris de souris. Bonjour madame. Attendez, je vous encaisse tout de suite. Voilà, 21$, elle a pris, ça c'est cool. Donc là, attente de démarrage. Je repasse juste une commande parce que malheureusement j'ai oublié la petite souris. Il n'y en a pas une plus chère, histoire 2, non, au niveau 2. Alors c'est pas grave, on va faire ça comme ça. Voilà. Alors de mon côté, je vous l'ai dit, après je vais faire un tout petit coin supermarché ici pour vous montrer comment ça fonctionne. Et je pense qu'on sera pas mal. Donc là, petit coup de balai éventuellement. Ah non, ça se ramasse, d'accord. Ça se ramasse avec la poubelle. D'accord. Ok. Donc bien sûr, vous avez vu que j'ai une petite jauge qui se remplit au niveau de la poubelle une fois qu'elle est pleine, ça crée un sac. Eh ben madame, la bouteille de champagne, c'est gratuit ou pas là? Autant m'a jeté ça normal. Allez madame, tac. Donc ici, vous pouvez bien sûr allumer. Hop. D'accord, peut-être parce qu'il fait pas nuit, mais ça fonctionnait avant. Ok. Donc on va attendre. Hein. C'est peut-être parce qu'il fait encore jour. Vous allez voir que la nuit ça fonctionne. Ah, ben j'avais pris la souris là. Ah, ça fait rien comme ça. Ça vous permettra. Je vais vous faire découvrir comment on revend les objets. Voilà. Attendez monsieur, j'arrive à l'instant. Je vais juste revendre la souris du coup. Donc pour revendre, c'est très simple. Il suffit d'aller chez cette personne. Ah, nécessite une approbation pour démarrer. Oui, je sais. On va le jeter ici. Et on va lui dire bonjour. Je souhaite vendre ma souris. Donc il me donne 10 balles 50, recyclé. Et je récupère l'argent. Donc c'est comme ça que ça fonctionne avec tous les objets du jeu. Et puis voilà. Donc là, on va accepter juste le client. Enfin, je crois que j'en ai même deux d'ailleurs. Oui, deux fois, c'est parfait. C'est juste parfait. Bonjour, bonjour. Allez, on est parti. Tac. Et je vais aller commander directement ce qu'il faut pour le côté supermarché, les amis. Si j'ai bien sûr assez d'argent, pardon. Je vais y arriver aujourd'hui. Hein. J'ai du mal. Hein. Après 2 semaines de repos. Alors, 550. Et je vais encore prendre un rayon de supermarché. Donc, quelque chose de très petit pour commencer, les amis. Voilà, j'achète. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est une petite commande, donc de vente en gros. Donc là, comme je vous l'ai dit, je vais faire une série, je pense, si vous êtes intéressé. Et là, c'est vraiment que pour vous montrer. Hein. Par la suite, on partira plus sérieusement sur un vrai agrandissement avec tout ce qu'il faut. Mais là, je fais ça juste pour vous montrer encore une fois. Donc là, je vais prendre chips de pommes de terre et cuisine nutritive. Ça fait quand même 37. Non, je vais prendre que des chips pour commencer. Voilà, on sera pas mal. Là, ils attendent l'approbation. Ok. Et là, monsieur veut me payer 14,50 $. Bonjour monsieur, vous avez vu l'argent, ça va plutôt vite. Je suis en train de prendre la réputation au niveau de mon cybercafé juste en haut. Ça, c'est plutôt cool. Il vient déjà de me livrer les... Arrête! Quelle rapidité! Donc là, j'ai ma caisse enregistreuse. Comme je vous dis, ça ne va pas rester comme ça encore une fois. Je vais juste vous montrer comment ça fonctionne. Donc on va la mettre ici. Voilà, je vais récupérer juste mon étagère pour vendre mes chips. Comme ça, si les gens veulent jouer plus longtemps. Ils peuvent acheter des chips. J'arrive, monsieur, j'arrive. Tac. Donc, approbation, c'est validé. Autant laisser l'écran là ouvert, comme ça je m'embête pas. Merci, madame, bonne journée. Et là, du coup, vous allez voir qu'il faut que je récupère les petites chips, ça, du coup. Voilà. Vous êtes prêt à démarrer un supermarché, transporter marchandises dans l'entrepôt. Donc, ensuite, ça se stocke juste ici. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir fixer mon prix et les poser sur mes étagères. Donc là, il commence à faire nuit tout doucement. Normalement, ça devrait fonctionner. Je crois qu'il y a encore des personnes qui attendent pour l'approbation. Oui. Tac. Voilà. Et là, est-ce que je peux allumer? Attends. Apparemment, c'est allumé, mais comme dit, il ne fait pas assez nuit. Donc, nous verrons bien. Alors, une fois que ça, c'est fait au niveau de l'entrepôt, les amis, vous allez ici. Vous cliquez sur réapprovisionner les marchandises, donc la touche F. Et là, vous mettez remplir avec les chips. Donc, je vais les mettre à 3 balles. On essaye de prendre un petit peu de bénéfice. Ce qui va me faire 1,62 $ de bénéfice. Et puis je peux remplir bien sûr les autres étagères, pareil, donc là ça a bien validé le prix. Voilà, je remplis de chips. Et comme ça on a des chips à vendre, les amis. Alors là ça arrive, bonjour. Alors madame, merci. Monsieur, approbation, parfait. Monsieur, voilà, regardez-moi ça, on est nous à 190 balles. Et je sais pas si la lumière, c'est ici. Ça fonctionne ou pas? Oui, ça fonctionne. C'est impeccable, il faudrait peut-être en ajouter d'autres. Ça serait pas mal. Je vais vous montrer le côté caisse encore quand les gens arrivent. Bonjour monsieur, ben voilà, c'est parfait, apparemment il va acheter des chips. Hein. Donc monsieur c'est les meilleurs du coin, hein, croyez-moi, et il a acheté, parfait. Donc une fois que c'est fait, vous allez ici, vous appuyez sur F, démarrer la caisse, et là vous prenez l'article, et vous le scannez. Donc là je viens de prendre 3 balles, et ça c'est juste magnifique. Alors là, c'est en train de tourner, je vais peut-être recommander un autre PC,
Est-ce qu'on a débloqué? On est au niveau combien? Niveau 2, je crois. Donc peut-être que je pourrais prendre une meilleure table. Oui, 180 avec deux étoiles, par contre 180 à la table, mais je peux rien acheter d'autre. Ah, alors au pire, je vais reprendre un vieux. Je vais prendre une chaise à 148, ça fait cher. Hein. Aïe, 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 aïe. Ça fait cher la chaise. Bon, je vais essayer pour l'instant. Je vais déjà commander, il me reste combien? Et j'ai pas assez. Solde insuffisant. Donc attendez. Voilà. Ah bonjour, bonjour. On va voir l'argent, les amis. Ne vous inquiétez pas. Démarrez la caisse. Alors ça mange des chips ce soir? Oh ah oui. Ah oui. Ça mange des chips. Ok, allez. Tac. Bonjour madame. Donc bien sûr, par la suite, on aura des employés qui travaillent pour nous et ça ira beaucoup mieux. Mais là, ça y va, ça commence à tourner. Monsieur va me payer. Je suis déjà à 233 dollars. Et c'est parfait, plus 21. Bonjour monsieur. Allez, c'est parti pour la caisse. Donc c'est bien, c'est que dans ce jeu, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer. Surtout quand vous démarrez, il n'y a pas d'employé. Regardez. Ils achètent tous mes chips. Je ne sais pas ce qu'elles ont, en tout cas mes chips, mais elles valent le coup apparemment. Hein. 3, 3, 3, regardez, ça fait 9 balles. C'est parfait. Et là, je vais pouvoir commander. Donc, je commande déjà à la table et tout. Par contre, il y a des gens qui attendent l'approbation. Oui, on y va. Tac, tac. Et là, on est bien. Ah, voilà. La journée vient de se terminer, les amis. Donc, on a fait un petit revenu. J'ai pas bien vu, là, du coup, ça allait trop vite. Alors, quelqu'un attend à la caisse. J'arrive, monsieur. J'arrive, j'arrive, j'arrive. F. Et là, c'est reparti. Voilà, prenez mes chips. Allez, prenez toutes les chips. Ils vont tout vider, quoi, en peu de temps. C'est parfait. Et l'autre côté, ça tourne aussi. Alors, il faut que j'installe mon troisième PC, les amis. Forfait express. Ok. Bon, bah, de toute façon, il n'est pas en complet. Hein. Va falloir que j'attende un peu plus d'argent. Alors, ce qui est bien, c'est que je peux déjà mettre là trois PC. Voilà. Attendez, j'arrive, messieurs, messieurs, dames. Attendez, attendez, attendez. Voilà. Donc, encore une fois, un jeu très addictif, les amis. C'est plutôt sympa. Hop. Tac. Et là, on y va. Là, on fait du fric. Regardez ce qu'il y a au sol et tout. Merci. Merci. Et là, c'est reparti. Hop. Allez. Là, c'est bon. Je crois qu'ils m'ont vidé toutes mes chips. Je vais pouvoir recommander. Regardez-moi ça. On se fait rapidement de l'argent et ça, c'est plutôt cool. Au revoir. Hop. Et là, on est à combien là? 123. Est-ce que je peux acheter quelque chose pour terminer mon PC que j'ai commencé? Alors, une chaise, on l'a, ordinateur, ça fait 140, j'ai pas assez. Est-ce que je peux déjà prendre un moniteur? 320. Ah oui, c'est pas la peine. Clavier 45, 260, c'est pas la peine non plus. Et souris 108. Oui, une petite souris de luxe. Allez, c'est parti. Au moins essayer de faire mon troisième ordinateur. Madame, petit paquet de chips. Je crois qu'il n'y en a plus, d'accord. Ben là, pour l'instant, je vais pas en racheter, c'était juste pour montrer. J'ai une facture, par contre, de 27 dollars qui m'attend. Et ça, c'est pas cool parce que je n'ai pas assez d'argent. Je vais devoir attendre qu'il y ait encore une fois des clients. Donc là, on a approbation, c'est fait. Peut-être que je vais augmenter le prix des PC juste après pour voir. Hein. Nous verrons bien. Et là, je vais juste ramasser tout ça. Hop. Par contre, il va falloir que je mange aussi un petit morceau pour être bien. Et là, hop, petit déchet. Et coup de balai. Voilà. Propreté, on est à nouveau à 100%. Et ça, c'est le top. La réputation, c'est très important, monsieur. Oh non! Oh punaise! Monsieur, pardon. J'ai failli vous taper, monsieur. Donc là, j'ai les 27 dollars. Je peux payer mes factures. Donc les factures, c'est encore dans quoi? Navigateur Internet. Facture. Voilà, 27. Ok, comme ça s'est payé. Et puis voilà. Donc, comme dit, il va falloir que je termine mon ordinateur. Là, j'ai récupéré la petite souris. Oh, pardon, monsieur. Ah, oh, pas payé. Ah, ben non. Attends, madame. Ouais, fais du kung-fu, quoi. Arrête. J'ai pas fait exprès. Oui. Tant pis, j'ai pas le choix. Attends. Ouais. Attends. Désolé, madame. Hein. Je te défonce, mais j'ai pas le choix. Ouais, ben, je suis désolé aussi, mais je voulais pas. Oh, en plus, ça s'est tombé du blé. Trop bien. Comment je ramasse ça maintenant? Oh, yes. Pardon, madame. Donc, quand vous avez la santé un petit peu faible, vous appuyez sur. Sur quoi? Sur échappe? Oui, sur échappe. Et là, on fait manger. Là, vous avez vu que j'ai tout qui remonte. Je vais également boire un petit café. Voilà, comme ça, on se met bien. Et la santé est encore faible. Je vais devoir attendre un petit peu. Oh là là, la pauvre. J'ai pas fait exprès. Hein. Franchement, j'ai vraiment pas fait exprès. Ça va très vite de se tromper de touche. La pauvre. Attendez, messieurs, dames, j'arrive. Oh là là, quelle aventure. Donc, je vais déjà poser la souris. Et on prendra reste quand j'ai de l'argent. Bah, ça tourne plutôt pas mal ici. Encore une fois, deuxième PC. Alors, j'ai oublié de vous parler d'un truc, c'est l'arbre de compétences. Donc, on a bien sur échappe, on a un sac à dos. Arbre de compétences, donc je me suis pris vitesse de déplacement. On a dommage pour faire plus de dégâts quand on frappe. D'ailleurs, je vais débloquer. Tac, vu que j'ai encore 2 points. On a la vitesse de déplacement plus 40%. Bon, le prix, je peux pas encore le prendre. La vitesse, le paiement prend 0,1 sous. Ok. Et je vais encore prendre vitesse de déplacement. Ah non, c'est 2. Alors, je vais prendre dommage. Non, non plus. Alors, je suis un petit peu bloqué. Consommation, vitesse de consommation de l'état physique. Ok, pas mal ça.
Voilà, après on a l'état financier qui vous dit un petit récap hein, des journées que vous passez, tout simplement. Et bien sûr, les paramètres du jeu, voilà. J'ai oublié de vous en parler juste avant, alors j'en profite. Alors là, ça commence à tourner, par contre, j'ai nouveau un petit peu d'argent. Qu'est-ce qu'il faudrait? Un moniteur? Moniteur, qu'est-ce qu'on avait encore besoin? Un clavier, alors je vais voir si j'ai assez d'argent. Donc, hop, on retourne sur le petit eBay là, du coup. Alors, chaise G, ordinateur, à 450, ah oui, 140, sinon, moniteur 70, 320. C'est quoi, ce n'est pas grave, je vais reprendre un vieux moniteur, tac, histoire d'avancer un petit peu. Voilà, et du coup là, eh ben c'est bon, c'est commandé. Je vais juste passer un petit coup de balai encore une fois parce que c'est pas très sale. C'est pas très propre plutôt, c'est pas très sale. C'est pas très propre, pardon. Madame va me régler. Alors peut-être que je vais recommander des chips ou du café, ça fait un peu plus d'argent, n'empêche, ça fait plus de fric. Voilà, 74, je vais voir pour repasser une petite commande hein, du coup. Tac. Alors, ici, on va aller dans vente en gros et je vais prendre forfait cuisine végétale ou de la bière. Ouais, la bière, j'en suis sûr, ça va partir 5 fois 16. Parfait, commande de binouze. Comme ça, on est bien. À l'instant, tac, les deux PC sont en route. Faudrait quand même que je modifie le prix, comme je vous l'ai dit. Il faut absolument que je fasse ça. Ça, on gagne plus de fric et les gens, ils sont contents. Donc, lui, il est toujours pas fini. Par contre, j'ai eu ma livraison. Tac, le petit ordinateur. Enfin, le vieux moniteur, du coup. Tac. On va le placer là. Et on va juste attendre, voilà, il est déjà là pour ma petite binouze. Merci monsieur. Voilà, et comme ça, on va faire de la vente. Donc là, je vais essayer de me prendre 2-3 dollars de plus sur la bière, parce que comme c'est de la bière, c'est de la bonne, regardez. C'est de la bonne. Et puis comme ça, on sera pas trop mal, je pense. Alors, c'est parti. On va se mettre ici, comme tout à l'heure, et je vais remplir les étagères de bière. Donc là, ça va être du 4 balles direct. Hein. On prend un bénéfice de 2,51, ce sera très bien. Et voilà, comme ça, on met des petites binouzes. Et là, on est bon, il y a encore des gens qui arrivent. Ah, ça n'arrête plus. Merci, monsieur, merci, merci. 14,50. Allez, tac. Merci, madame. Personne qui veut acheter de la bonne binouse, là? Parce que c'est qu'on a un petit bénéfice avec celle-là, donc ça, c'est cool. Il faudrait aussi que je termine mon PC là-haut. Comme ça, je peux accueillir 3 clients. Ça serait vraiment pas mal. Approbation pour démarrer. Ok. Tac. Voilà. Alors, est-ce que ça va venir acheter de la bière ou pas, là? Est-ce que ça va venir acheter la binouse? Alors, est-ce que je ferai un tour au casino? Peut-être pas. Peut-être dans un prochain épisode, parce que j'ai pas beaucoup d'argent, je veux pas trop le dépenser. Mais comme je vous l'ai dit, juste au bout, il y a un casino. On le verra peut-être dans un deuxième épisode, si vous êtes intéressé. Et j'ai un client en caisse. Bonjour. Alors, tiens, madame, vas-y. Bonjour, monsieur. Ah oui. Ah, tu te fais plaisir, hein. On prend 16 balles direct. 12 balles, pardon. Parfait, ça. Ah, monsieur, je savais. Lui, il a des goûts de luxe, lui, regardez. J'en suis sûr qu'il m'en a acheté 10. Ah, voilà, monsieur. Là, je vous reconnais. Pareil, 12 balles. Et ça fait plaisir. Donc là, je vais pouvoir bientôt monter mon troisième PC, les amis. Et je pense que nous, de notre côté, on va s'arrêter là-dessus. Vous avez compris un petit peu le principe du jeu. Donc, si vous voulez une suite, encore une fois, je vous invite à liker, bien sûr. N'oubliez pas également de vous abonner, de partager. C'est très, très important. Moi, je vous dis donc à très bientôt pour les aventures. Portez-vous bien, à plus. Et bien sûr, bon week-end à vous. Gros bisous, ciao, ciao!